Ouais, bien salut à tous, c'est James, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur l'épisode pour l'épisode 2 de la carrière accepter toutes les autres challenges avec Chelsea. Donc j'ai vu que le premier épisode vous avez eu assez plu, donc j'ai décidé de refaire l'épisode 2. Donc je pense que vous connaissez le concept, le but c'est d'accepter toutes les offres. Donc le mercato je peux en faire que au mois de janvier, donc ouais, j'attends de savoir s'il y a des offres là. Donc ouais, vous connaissez le concept, c'est un concept qui a été pris par plein de youtubeurs. Alors aller aux invitations, non merci, je n'ai pas envie d'y aller. Donc ouais, enfin vous connaissez le concept, j'ai accepté toutes les offres de transfert à part les offres de prêt. Je regarde s'il n'y a pas un petit joueur en prêt parce qu'au cas où, on va quand même voir. Donc je crois pas, hein. Normalement il n'y a personne qui est en prêt. Donc non, il n'y a personne qui est en prêt, ok. C'est super. Donc voici mon équipe pour la première saison. Enfin pour l'instant. Pour l'instant c'est ça mon équipe. On va voir s'il y a des transferts qui vont se faire et tout. Donc on va voir ça. Donc ouais, je vous dis à tout de suite pour la première offre de transfert. Bon les gars, c'est génial. Offre de transfert pour Zuma, donc c'est vraiment une grosse pépite ça qui part. Malheureusement, on doit accepter l'offre. Je suis un petit peu déçu quand même, je crois, parce que Kurt Zuma c'était quand même un joueur, tu vois, genre au bout de 3 saisons il aurait été vraiment titulaire. Donc ouais, juste en plus il n'y a même pas de coupure, c'est le 3 juillet, donc c'est super. Voilà, et là offre de prêt pour Pazalic, ça va, on n'a pas les prendre, on les accepte pas, les gars. Offre de transfert pour Tiemwe Bakayoko de l'AS Monaco, ils veulent récupérer leur joueur. Malheureusement, je suis obligé d'accepter. Ça m'énerve un petit peu parce que c'est quand même un joueur que je voulais utiliser. Donc ouais, Monaco revoit son joueur. Donc en même temps les gars, je crois que la Coupe du Monde elle est finie, donc on va aller voir 2 secondes c'est qui a gagné quand même. Donc ok, non, elle est pas finie. Ça me s'y fail ça. Donc là on peut voir que la finale c'est Espagne-Argentine. Donc ouais, la France s'est fait éliminer en 8ème de finale. Et ouais, la France s'est fait éliminer en 8ème de finale. Le Danemark et la Pologne sont arrivés en quart de finale quand même, c'est un beau petit parcours qu'ils ont fait. Le Danemark a failli éliminer au Brésil, mais le Brésil les a éliminés au tir au but. Donc ouais, on se trouve peut-être pour 1-2 jours après. On va voir si Douglas Costa signé à Chelsea, wow. Donc la Coupe du Monde elle a pas encore été jouée, ça fait 3 fails. Oh là là. Petit fail hein, encore une fois. Ah bah mec, la Coupe du Monde elle sera jamais jouée ou quoi? J'ai un truc off de transfert pour. Oh là là, Rudiger, c'est génial. Les gars, pour l'instant là, le mercato. Quand même ça. Voilà, il y a quand même des. Les offres, disons que il y en a beaucoup pour l'instant des gens. Hein. Alors là, on doit faire un gros mercato pour ouais pour quand même parce qu'il y a quand même énormément de joueurs qui sont en train de partir là. Donc moi je vous dis à tout de suite. Ouh, transfert de Tiemwe Bakayoko, fin des pourparlers. Donc ça c'est très bien. Par contre une offre pour Willian, ça c'est un petit peu moins bien. Donc Willian 84, 33 millions. On va accepter. Donc ouais, normalement Rudiger et Willian vont partir, mais Tchemwe Bakayoko n'est pas parti. C'est super. Donc on risque de perdre Willian. Donc moi je vous dis à tout de suite pour la prochaine offre de transfert. Les gars, offre de transfert pour Marcos Alonso. Donc on va accepter malheureusement. Même, enfin non, je sais pas, je m'en moque un petit peu. Rudiger il est parti, Willian est parti aussi. Donc là on pourra vraiment voir c'est qui a gagné cette foutue Coupe du Monde. Donc qui a gagné la Coupe du Monde? Moi je dis que c'est l'Espagne et c'est l'Argentine, ok. Donc l'Argentine a gagné une petite Coupe du Monde face à l'Espagne. Donc on va un petit peu regarder passer en vue les tableaux. Donc les Pays-Bas sont fait éliminer par l'Équateur. Ah ouais quand même. L'Équateur a été un petit peu chaud quand même. Donc là. L'Angleterre, États-Unis, Uruguay est disqualifié aussi.
Là, dans ce groupe, il y a la France, la Suisse, le Chili, l'Arabie Saoudite. Et la Chili s'est fait disqualifier. Dans ce groupe, l'Argentine, la Pologne. Ah, la Pologne, ils ont quand même fait match nul face à l'Argentine. La Chine et la Turquie. La Chine qui a fini devant la Turquie. Ok. Donc ensuite, l'Espagne avec l'Écosse, Afrique du Sud et Norvège. Donc Norvège, en plus, ils ont une différence de but. Ils sont au-dessus des autres et ils se sont fait disqualifier quand même. Donc c'est un petit peu bizarre, ça. Ouh, le Danemark a fini premier de son groupe, l'Italie juste derrière, après le Mexique et le Cameroun. Ah ouais, le Danemark, ils ont vraiment été chauds là. Dans ce groupe, la Belgique, la République tchèque, l'Australie et la Côte d'Ivoire. Ouais, bon, voilà. Ensuite, Brésil, Portugal, Égypte, Irlande du Nord. Ils ont pas eu de chance, l'Égypte et l'Irlande du Nord. Ils sont tombés quand même sur ces grosses équipes et c'est tout. Donc, ouais, bonne félicitations à l'Argentine et on va continuer un petit peu. Au mois d'août, donc voici mon équipe. Elle a pas encore changé en fait. Assis à droite, il y a Zappa Costa maintenant. On va laisser Zappa Costa, je pense, parce qu'il est pas mauvais. Si j'aurais eu Zuma, j'aurais peut-être mis Zuma, mais j'ai plus de Zuma. Par si je joue en 3 défenseurs, mais j'ai pas envie de jouer à 3 défenseurs. Bakayoko qui a augmenté, c'est génial, c'est bien. Donc on va continuer un petit peu. Nous, on se retrouve pour les 10 dernières heures de mercato. Donc, on va voir un petit peu qui est parti déjà. Donc il y a Zuma, Willian, Rudiger, Alonso, Drinkwater. Donc ça fait quand même déjà du beau petit monde. Donc voilà les 10 dernières heures. En espérant qu'il n'y a pas d'offre. Mais c'est pratiquement sûr qu'il y aura une offre. Enfin même plus qu'une offre. Peut-être qu'il y en aura peut-être deux, je sais pas. Enfin je prie pour qu'il n'y en ait pas déjà. Alors, il reste plus 5 heures, allez, allez, 5 heures à tenir, 5 heures à tenir. Deux heures. Une heure, allez, une heure à tenir, c'est bon, on n'a pas d'offre de transfert pendant ces dernières heures. C'est super. Par là, c'est quoi ça, les trucs qui ont offre de prêt pour eux, Kenneth Omeruo. Donc, non, les offres de prêt, on les refuse. Donc, on va présenter un petit peu le mercato. Le mercato, ouais. On va présenter un petit peu le mercato. Donc, départ de Drinkwater, départ de Alonso, départ de Rudiger, départ de Willian et départ de Kurt Zouma. Donc, ça fait quand même quelques personnes parties. Et mon équipe 1 sera celle-ci, je pense. Hein. Elle est pas mal cette équipe là. Au milieu de terrain, il n'y a rien, il n'y a pas besoin de, y a besoin de rien changer. Et très bon milieu de terrain. Juste là, vraiment, Pedro, je pense que. Ouais, Pedro, en fait, il se vieillit un petit peu, donc ça sera un petit peu plus dur pour lui. Donc. Alors, Bakayoko, Keita et Kovacic. Vraiment, ça c'est un très très gros milieu. On va essayer de le garder le plus longtemps possible, hein, ce milieu, parce que là vraiment c'est un très bon milieu de terrain, ça. Ces trois-là, ils vont faire très très mal. Eden Hazard, Alvaro Morata et Pedro, que je suis obligé un petit peu de garder, même si vraiment, si j'aurai un joueur. En fait, je pense que prochain mercato, je vais acheter défenseur central, défenseur droit et attaquant droit. Après, si j'ai eu un autre départ, je vais faire un petit peu pour l'autre départ. Mais en tout cas, on va. Pour l'instant, l'équipe elle est bien comme ça. Enfin, on n'a pas fait de grosses pertes. Donc, bah, moi, je vous dis à tout de suite s'il y a une offre ou au prochain mercato. Donc, heureux les gars, on est arrivé au mercato. Donc, dans la saison, on est. Deuxième, donc zéro défaite. Vous le voyez, zéro défaite, donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il y a beaucoup, beaucoup de matchs nuls. Par contre, ça, c'est un petit peu dommage. En tout cas, on est pas mal. On a Hazard en meilleur buteur. C'est pas mal. Donc, voici mon équipe au milieu de saison. Donc, vraiment une très grosse équipe. Ouais, très très grosse équipe, je trouve. Vraiment, là, on commence vraiment à avoir une assez bonne équipe là. Donc,
Là, il y a le mercato. Donc, les gars, on va se retrouver tout de suite à la fin du mercato parce qu'il y aura quand même quelques mouvements, je pense. Et voilà, je vous parle un petit peu de tout ce qui s'est passé à la fin du mercato. Donc, à tout de suite. Donc, les gars, on se retrouve à la fin du mercato. Donc, vous voyez, mon budget est de 56 millions. Donc, j'ai quand même fait quand même beaucoup de transferts dans ce mercato. Des très bons transferts, je trouve. Donc, on va tout de suite aller voir. Donc, déjà, dans ce mercato, il y a eu deux départs, je crois. Il y a Pedro et Zappa Costa. Donc, on va pas dire que c'est des grosses pertes. Après, j'ai failli perdre David Luiz. J'ai failli perdre Michy Batshuayi. Mais il y a eu des petits trucs dans le transfert qui a fait que ils sont pas partis. Donc, première arrivée, c'est Nelson Semedo pour 46 millions 1. Donc, c'est sa clause libératoire. Franchement, je pense que ça vaut largement le coup, 46 millions pour Nelson Semedo. Il y a assez bon. Voilà, 84 de général. Très bonne vitesse. Bien, bien physique. Bien, il peut apporter aussi bien offensivement que défensivement. Donc ça, c'est un joueur que je cherche. Ensuite, j'ai fait sauter la clause libératoire de Alenia. Donc voilà, un petit joueur à 76 de général. Donc voilà, il y a pas un gros salaire. Il y a un très bon potentiel. Et voilà, j'avais besoin d'un milieu au cas où un des milieux partait. Ensuite, grosse recrue, Marco Asensio qui est arrivé du Real Madrid pour 103 millions. J'ai fait sauter sa clause libératoire à lui. Donc voilà, j'avais besoin d'un milieu offensif. Parce qu'en fait, j'ai cru que Bakayoko il allait partir parce qu'il a reçu aussi une offre lui. Donc il n'est pas parti, mais on a quand même Asensio et Bakayoko. Il est un petit peu moins fort. Et ensuite le dernier joueur c'est Xherdan Shaqiri, vraiment un joueur que j'adore. J'ai acheté 40 millions, mais moi c'est vraiment un joueur que j'adore ça, que j'ai pris dans presque toutes mes carrières. Donc voilà, voici mon équipe pour le moment. Donc voilà, très bonne équipe. On va juste mettre Keita à gauche parce qu'il jouait à gauche tout le temps. David Luiz il voulait partir, donc j'ai au cas où David Luiz partait en fait j'allais prendre Aymeric Laporte. Mais il va pas partir de toute façon donc. Ça va, pas de problème. Donc, on va un petit peu faire les 10 dernières heures du mercato ensemble. Donc, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Moi, je pense qu'il va peut-être avoir un transfert parce que la dernière fois il n'y avait pas eu de transfert. Donc là, je me dis peut-être qu'il y aura un transfert. Attendez, aussi un truc très important. Je sais pas si vous la. Je sais pas, non, je voulais pas montrer. Alors. Ok, bah il est plus là, c'est génial. Alors, à la une peut-être. Non. Info international non plus. Info transfert non. Donc ouais, on peut pas le voir. Mais en tout cas. En tout cas, Antoine Griezmann a été élu joueur de l'année. Donc ça veut dire qu'il a reçu le ballon d'or Antoine Griezmann. C'est super. Ouais, je suis content quand même parce que c'est un Français et voilà, il mérite son ballon d'or et pour un coup c'est pas Ronaldo, c'est pas Messi, donc tant mieux. Ça c'est bien ça. Alors là. Ouh, attendez, j'ai une offre. Je crois. Offre de transfert pour. Ok. Ouais. Pas de problème. Enfin c'est une pépite, mais bon. L'OM s'achète une pépite, attention. Voilà, Bakayoko, il a pas voulu y aller. Ouais, il y a quand même beaucoup de joueurs. Lui, il a pas voulu y aller, il a pas voulu y aller, il a pas voulu y aller. Enfin voilà, ça veut dire quand même. C'est déjà 4 joueurs qui n'ont pas voulu aller dans leur club. Alors que David Luiz, pourtant, il. Enfin, il voulait partir. Après, je crois que c'est parce qu'il y a un trop gros salaire. Et il veut pas baisser de salaire, mais il veut jouer. Faut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Comme diraient mes parents. Ouh, attendez, j'ai raté une offre. Ouh, j'ai raté une offre. Ouh, que j'ai raté une offre de transfert, je crois. Ah non, c'est un offre de prêt pour Charlie Mossanda. Donc on va refuser. Hop, rejeter. Et aussi, il y a l'autre. Pazalic qui a reçu encore une offre. Et qu'on va rejeter aussi. Alors. Ouh, punaise, j'ai encore raté une offre, je crois.
Ah non, transfert de Jude Jones, Sterling, fin des pourparlers. Donc ouais, ça fait toujours ça. C'est toujours ça en fait ce qui se passe. Toujours des trucs comme ça. Des fins de pourparlers, y a eu que ça, des fins de pourparlers. Donc aussi, je vais montrer un petit peu ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai remarqué que j'avais oublié de montrer un petit peu ce qui s'est passé à part en... En BPL, enfin si j'aime plus la BPL, donc ouais j'ai fait une défaite. Ouais j'ai fait une défaite contre Brighton, donc pas de moquerie dans les commentaires parce que bon Brighton c'est vrai que c'est pas la meilleure équipe pour faire une défaite. Mais bon c'est notre première défaite, ça arrive les mauvais pas. Ils sont 16e, Everton 17e, j'avais même pas remarqué ça. Everton si ils sont relégués. Ça serait assez bizarre. Alors en FA Cup on s'est fait disqualifier je crois. Non, c'est la Carabao que je me suis Carabao, je me suis fait disqualifier tout de suite par je sais plus quelle équipe, ça doit être enfin une équipe de deuxième division je crois que c'est. Le trophée Europe c'est le Bayern qui a gagné face à l'OM. En Coupe des Champions, en Ligue des Champions. Real Monaco, l'OM est face à Manchester City, et le PSG face à l'Atletico. Ah, c'est des grosses écuries quand même qui s'affrontent là. C'est des grosses écuries qui s'affrontent les clubs français là, donc ça sera un petit peu chaud. Ensuite, il y a encore du beau monde, hein. Le Bayern 04. Bayern 04, il y a moyen qu'ils aillent en quart de finale, ça serait assez sympa. Après, on pourrait pas faire un Bayern 04 Real Madrid comme en 2002, ça la fera pas Zizou. Mais bon. Et en Europa League, où est-ce qu'on est? Nous, on est encore là. Ok, bruh, un petit fail, encore une fois. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'on a fait. Donc, nous, on a fini premier, deux matchs nuls. Voilà le classement. Nous, on est assez bien. On a marqué 16 buts et on s'en est pris que 3. Ensuite. Les clubs français, est-ce qu'ils s'en sont bien sortis? Les Girondins de Bordeaux, j'ai vu Saint-Étienne qui était qualifié et j'ai vu Rennes qui était disqualifié, je crois. Et sinon, à part ça, Lyon. Lyon, qu'est-ce qu'ils font? Bah, Lyon, ils font rien, ils sont en train de faire totalement de la merde. Donc, les gars, on va aller jusqu'à la fin de la saison. Donc, Jamie Vardy, enfin, je crois que c'est Vardy, ça, homme du joueur de la saison. Donc, c'est parti, les gars, moi je vous dis. A tout de suite pour la fin de saison, à tout de suite. Donc les gars, on arrive à la fin de saison. Donc au final, on a fini premier de première ligue. Avec 76 points devant Manchester City qui a fait une deuxième partie de saison un petit peu moins bonne. Donc. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est pas fameux, fameux, on va dire. C'est pas super. Donc l'Europa League, on s'est fait disqualifier de suite par l'Ajax Amsterdam. Donc on n'a même pas atteint les huitièmes de finale, on était en 16e de finale. Mais après bon c'est pas grave, on va jouer avec des champions la saison prochaine, c'est ça le plus important. Saint-Étienne qui a éliminé l'Arsenal quand même. Ouais, qui a, franchement ils ont été chauds un petit peu. Ensuite en Ligue des Champions, ça n'a pas encore été joué, ok. Donc le PSG... Et a été en demi-finale, Monaco s'est fait disqualifier en huitième de finale, mais bon, le Real Madrid c'est un petit peu chaud. Même si Liverpool a réussi à se qualifier face au FC Barcelone, quand même c'est chaud. Hein. Il y a quand même eu quelques surprises, comme par exemple le FC Porto déjà qui a fini en demi-finale. Ça fait très longtemps qu'un club portugais n'a pas fini en demi-finale, donc c'est super. Enfin, c'est bien pour le jeu portugais. Donc la finale c'est la Juventus face au Bayern. Donc moi je tiens avec le Bayern. Direct. J'annonce la couleur. Le Bayern qui a gagné le trophée Europe. La Carabao Cup. Le Manchester United qui a gagné. Et là. L'autre cup c'est la FA Cup. La FA Cup c'est Manchester City qui a gagné. Donc nous on n'a pas été loin en coupe. Hein. Juste la première ligue qu'on a assurée et on est en Ligue des Champions la saison prochaine. C'est ça le plus important. Au niveau buteur, le meilleur buteur c'est Jesus
Et Thorgan Hazard est juste derrière. Eden Hazard est juste derrière. Je sais pas ce que j'ai avec Thorgan Hazard aujourd'hui, mais. C'est voilà, j'ai Thorgan Hazard dans la bouche. Donc voici mon équipe finale. Donc, très très bonne équipe, je trouve. David Luiz qui commence un petit peu à baisser en général. C'est un petit peu dommage ça. Mais bon, pour l'instant, très très bonne équipe. Donc on va regarder un petit peu le classement des buteurs. Donc en stats, le meilleur buteur c'est Eden Hazard avec 31 buts. Ensuite c'est Shaqiri avec 11 buts. J'ai bien fait de lâcher ce petit Shaqiri quand même. Ensuite c'est Morata qui a pas marqué énormément de buts. En fait non, c'est pas super en fait ça, hein, les passes des buts, les buts et tout. Hein. Baker, alors que normalement c'est pas du tout un joueur d'équipe unique, il marque plus de buts qu'un Asensio ou un Kovacic. C'est un petit peu bizarre. Naby Keita, il est pas là pour marquer. C'est ouais, il est pas là pour marquer. Batshuayi a marqué 2 buts en 22 matchs, donc c'est un petit peu pourri quoi. C'est vrai que là les stats, en fait, à part Eden Hazard et Shaqiri, c'est pas super super quand même. Donc au niveau passe décisif, c'est Eden Hazard avec Van Ginkel plutôt. Donc voilà, Eden Hazard, c'est le meilleur joueur. Je pense que c'est celui qui a le plus joué aussi. Voilà, c'est lui qui a le plus joué aussi, Eden Hazard. Donc voilà, c'est le capitaine. Le capitaine Eden Hazard. Les attributs, il y a des joueurs, il y a des personnes qui aiment bien voir ça. Donc on va voir un petit peu les attributs. Donc, bon, je sais pas pourquoi j'ai descendu. Hop, donc celui qui a monté le plus, c'est Mac Ishran. Donc il y a un nom bizarre. Donc voilà, il y a l'air d'avoir un très bon potentiel. Ensuite, Farinhas a monté de 3, donc il y a 80 de général. Je vous dis que c'est un très bon joueur. Ce gars peut monter à 87 de général. Donc les gars, je vous le conseille vraiment en carrière. Il coûte pas cher. Et vraiment, il vaut le coup. Donc ensuite, Sterling qui a monté de 3. Chalobah qui a monté de 3. Abraham que je connaissais pas, mais qui est quand même très bon. Qui est quand même assez bon, 21 ans, 79 de général, c'est pas mauvais du tout. Ensuite Maddox, Kovacic qui a monté à 87 de général. Ouais, il y a quand même des très bonnes stats. Ensuite Pazalic et Scott. Et après on va un petit peu arrêter parce que bon, là, sinon si on fait toute la liste, elle sera assez longue. Donc les gars aussi, on va aller voir un petit peu. Pas le calendrier, donc on s'en bat les couilles du calendrier. Les autres championnats pour voir un petit peu ce qui s'est passé. En Allemagne, le Bayern a fini champion. Derrière le Dortmund, Wolfsburg, Bayern 04, Leipzig et Schalke 04. Donc ensuite, là en Angleterre, bon, on va voir les promus, c'est Southampton, Swansea City et Reading. Donc Sunderland qui a pas réussi à monter de division. On va aller voir ensuite l'Espagne, parce que l'Espagne c'est. Enfin, en fait, les championnats les plus importants, les 5 plus importants à mes yeux. Alors, l'Espagne, attention, l'Espagne, qu'est-ce qui va se passer? L'Espagne, c'est le FC Barcelone qui a fini champion, juste derrière le Real Madrid. Donc, les relégués, c'est Osasuna, Rayo Vallecano et Deportivo Alavés. Donc, voilà, les trois premiers, c'est les trois cadors de Liga. Ensuite, le Villarreal, l'Athletic Bilbao, Séville, la Real Sociedad et Valence qui a fini quand même 9e. Donc, c'est pas super. Après, ceux qui montent s'en foutent. Et ensuite, en France, c'est le truc que j'ai le plus envie de voir. Donc, le PSG, premier avec 85 points. L'OL, l'OM, l'AS Saint-Étienne, Monaco qui a fini 5e. C'était très serré, vraiment, c'est très serré entre le 2e et le 5e. Je vois, il y a 2 points de différence. Donc vraiment ça se voit que là c'est un petit peu plus serré. Ensuite Nice qui est un petit peu derrière 70 points juste après les Girondins de Bordeaux et juste après. Enfin juste après c'est quand même assez loin, 12 points de différence. Le Stade Rennais et ça c'est très serré entre les. C'était très serré entre les clubs, ils étaient là. Et les relégués sont 3, Metz et Strasbourg. Et ceux qui vont monter, ce sont le LOSC qui était. Ah oui, c'est vrai que le LOSC était en Ligue 2. Donc le LOSC est monté. Juste après, il y a Dijon et Amiens. En fait, c'est ceux qui étaient qualifiés, enfin, ceux qui étaient disqualifiés, enfin, qui étaient redescendus, qui sont remontés. Lens qui a failli, il a failli monter aussi. Ils ont toujours de la poisse, ces Lensois. Je trouve vraiment que Lens a de la poisse. C'est vrai que dans FIFA, souvent ils sont quatrième, ils montent jamais.
Le LOSC qui était quand même relégué, quoi. J'avais oublié ça. Ensuite, en Serie A. Calcio A plutôt maintenant, c'est à Calcio A. Excusez-moi, les gars, je suis un petit peu fatigué. Donc, les premiers, c'est le Napoli. Juste après, la Juventus, l'AS Roma, la Lazio de Rome, l'Inter, Milan, Torino, Sassuolo, Fiorentina, Bologne. Et après, on s'en fout. Donc, ouais, j'ai fait un petit peu le tour. On va arriver à 2 secondes des Pays-Bas parce que bon, on est sympa. Les Pays-Bas, c'est l'Ajax, le PSV et Feyenoord. Après, on s'en fout un petit peu. Le Portugal, Sporting, Porto et Benfica. Et après, on s'en fout aussi. Donc, la Russie, on s'en fout aussi. En Turquie, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Après bon, on va pas chercher non plus. Après, si ça continue, je vais aller en Danemark ou je sais pas trop quoi. Boca Junior. Donc voilà, je pense que je vais arrêter la vidéo là-dessus. Donc merci énormément, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez un like si vous voulez voir un épisode 2 très rapidement. Enfin la semaine prochaine. Je vais pas faire une limite de like. Mais en tout cas les gars, je veux voir si vous aimez ou pas cette série. C'est très important pour moi d'avoir l'avis des abonnés. Donc merci énormément d'avoir regardé la vidéo. C'était James. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.